Si la ville de Dieppe est surtout connue pour sa plage de galets, ses maquereaux et ses coquilles Saint-Jacques, il n'en demeure pas moins qu'elle reste une ville de marins. Et quoi de plus naturel que d'abriter l'un des bateaux de la SNSM, l'association française qui assure le sauvetage en mer. Le bateau de la SNSM est un camion de pompiers, mais flottant. Voilà les banquettes, les sièges, là, pour qu'on puisse s'asseoir. Là, on a un radar. Là, un sondeur, pilote automatique, et puis toutes les commandes moteur. Donc on est l'équipage, on est 8 à bord, on embarque à 8. Donc on va aller voir en machine. Avant de, allez-y, vous pouvez descendre si vous voulez. Attention, tu te tournes. Donc là c'est le poste avant. Les brassières de survie, là on a tout le matériel médical ici. Parfois il nous faut des plongeurs, donc on a des équipements pour les plongeurs, médical, oui s'il le faut. On est équipé vraiment à la limite comme les pompiers au niveau médical, hein. Donc on a tout le matériel nécessaire. On intervient, je dirais, entre Saint-Valery-en-Caux, parce qu'il y a une station à Saint-Valery-en-Caux. Donc, mais eux, ils ne peuvent pas sortir quand c'est marée basse. D'accord. Après, l'autre canot de tout temps qui peut sortir comme nous, c'est Fécamp. Donc, on intervient, je dirais, entre Saint-Valery-en-Caux et la baie de Somme. D'accord. La partie machine, et là, on est à l'arrière du bateau, c'est où il y a tout le vérin pour manœuvrer les gouvernails et tout. Le calbar. En sauvetage pur, on a 25-30 sauvetages purs par an. Ensuite, on a des missions de. Enfin, on a des exercices. On a aussi des missions de service. On fait aussi des urnes. Ce matin, on est sorti pour mettre des cendres à la mer. Donc, après, on a des sorties où un chalutier qui est pris dans son chalut, dans des filets. Enfin, bon, je veux dire, on sort. Après, des exercices. On a des exercices deux fois par mois d'entraînement. Quoi. Nous, ce qu'on vend là, c'est pour nous ici. On paye notre gasoil, on paye tout, il faut qu'on se débrouille. C'est selon, on fait des cendres, on ne connaît pas. Et on est obligé, sans quoi ça n'existera pas. Mais nous personnellement, on n'a rien. C'est vraiment bénévole. Moi, je suis retraité. J'ai un peu de boulot. Qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Oh, oh, oh.